Les gars, story time. Bon, rapide, hein, parce que j'ai tournage. Du coup, comme je vous ai montré, il y a ma mère et ma tante qui sont arrivées hier. Je suis trop contente à vous rester quelques jours. Et en fait, il faut que je vous raconte, parce que depuis hier, c'est la guerre dans cet hôtel. Il y a déjà une délégation, pas une délégation, mais il y a le premier ministre, je crois, du Niger. Enfin, plein de ministres et plein de députés et tout, et politiciens, diplomates du Niger qui sont là. Donc, il y a des gardes du corps à chaque bout de l'hôtel, dans le hall, dehors. Il y a des patrouilles de police, genre, c'est un délire. Et du coup, hier, je suis rentrée comme ça, je revenais de tournage, je suis rentrée dans l'ascenseur. Et il y avait un monsieur avec moi. Genre, il était en costume et tout. Je lui dis, ouais, lui, c'est sûr, il fait partie de la sécurité. Il a l'air important, tu vois. Enfin, je dis, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez ce qui se passe dans l'hôtel? Parce que je comprends pas trop. Et il me dit, alors là, il y a ce soir, il y a deux premiers ministres qui vont dîner ensemble. Et il y a Ayman Khalif et Kaylan Emour, les deux médaillés d'or qui sont là. Elles vont rester 48 heures. Si vous voulez prendre des photos avec elles, j'étais en mode, c'était pas l'objectif, mais merci pour l'information. Et ce matin, du coup, je descends au petit-déj avec ma tante et ma mère. On mange et tout, et là d'un coup on entend des applaudissements. Je dis, oh, on se retourne, et là on voit qui? Ayman Khalif. Et là je me dis, mode, oh, waouh! Elle est tellement belle en vrai. Elle était comme ça, grande, droite, comme ça, tcha 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 tcha. Elle était toute timide en mode, bonjour, bonjour, c'est l'aime. Elle est partie manger, super, on continue à manger. Et là j'entends, tcha, qui est encore là? Et là je vois un tout petit bout de femme, genre une toute petite comme ça, au bout, Kaylan Emour, et je dis, pichibouche, elle est trop chou, elle était trop mignonne, elle était trop mignonne. Et du coup elle était comme ça, elles sont parties manger dans un petit coin avec leurs entraîneurs, voilà, c'était génial. Et le premier qui me demande pourquoi je n'ai pas fait de photo avec elle, laissez-les vivre. Voilà, petite story time de la journée. Je suis dans le même hôtel que nos deux médaillés d'or. Et une très grande fierté. J'ai regardé que de loin et je leur disais, vous m'avez fait pleurer devant mon téléphone. Merci à vous. Enfin voilà, là je dois y aller. C'était juste pour vous raconter ça. Pour faire un petit coucou. Et pour vous dire que c'est la dernière semaine à Alger.